Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, un multilatéralisme inclusif, c'est l'idée qui a été défendue par le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, ce mardi lors de l'ouverture du débat général de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le président sénégalais a également défendu le droit de l'Afrique de choisir ses partenaires. En plein dialogue de réconciliation nationale, le ministre des Affaires étrangères tchadien claque la porte au gouvernement. Dans sa lettre de démission adressée au président du Conseil militaire de transition, Chérif Mahamat Zen a fait état de sa frustration, accusant le pouvoir en place de le reléguer à un rôle de figurant. Et puis au Nigeria, des entrepreneurs ont trouvé une solution pour lutter contre le harcèlement des femmes dans les transports avec HerRide, une application de covoiturage réservée aux femmes, découverte dans la suite de cette édition. Mais tout d'abord, dans un décret du président Teodoro Obiang-Nguema Mbasogo publié ce mardi 20 septembre, la Guinée équatoriale a annoncé sa décision d'avancer l'élection présidentielle de 5 mois. Au lieu de février 2023, le scrutin présidentiel se tiendra donc le 20 novembre 2022, en même temps que les législatives. À désormais 2 mois du scrutin, équato-guinéens, observateurs et diplomates s'interrogent sur l'unique enjeu de cette élection, qui sera le candidat du parti au pouvoir, le PDGE. L'actuel président, qui a 80 ans, totalise 43 ans à la tête du pays, où son fils Teodoro Nguema Obiang, dit Théodorine, vice-président chargé de la défense. Notons qu'en novembre 2021, on avait assisté à d'inédites querelles entre partisans de Théodorine et de Teodoro lors du dernier congrès du PDGE. Insécurité alimentaire, réchauffement climatique, guerre en Ukraine, des sujets au cœur de la 77e Assemblée des Nations Unies qui s'est ouverte ce mardi à New York aux États-Unis. À la tribune de cette assemblée, le président sénégalais Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine, a notamment plaidé pour un multilatéralisme inclusif. L'Union africaine, par la voix de son dirigeant, a réitéré sa candidature pour un siège permanent au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'ONU, ainsi qu'au sein du G20. Nathalie Mo. À l'ouverture du débat général de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 septembre 2022, l'Afrique s'est présentée comme un continent de solutions. Fier du potentiel social, économique et géographique du continent, le président en exercice de l'Union africaine, chef d'État du Sénégal Macky Sall, a appelé les partenaires de l'Afrique à un multilatéralisme ouvert, mu par une coopération réinventée. L'Afrique veut ainsi se défaire du joug de son passé historique dans le choix de ses alliés pour l'atteinte de ses objectifs politiques, sécuritaires, sanitaires, humanitaires et économiques. Au-delà des urgences conjoncturelles, je suis venu porter le message d'un continent déterminé à travailler avec tous ses partenaires dans une éthique relationnelle de dialogue confiant et de respect réciproque. Je suis venu dire que l'Afrique a assez subi le fardeau de l'histoire, qu'elle ne veut pas être le foyer d'une nouvelle guerre froide, mais plutôt un pôle de stabilité et d'opportunité ouvert à tous ses partenaires sur une base mutuellement bénéfique. Alors que l'Afrique suscite l'intérêt des plus grandes puissances mondiales, preuve en est des récentes tournées africaines du président français Emmanuel Macron et du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov en juillet 2022, le continent souhaite que sa position d'acteur indéniable de la scène internationale soit réellement prise en compte. L'Union africaine, par la voix de son dirigeant Macky Sall, a réitéré sa candidature pour un siège permanent au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'ONU, ainsi qu'au sein du G20. 80 ans après la naissance du système des Nations Unies et des institutions de Bretton Woods, il est temps d'instaurer une gouvernance mondiale plus juste, plus inclusive et plus adaptée aux réalités de notre temps. Il est temps de vaincre les réticences et de construire les narratifs qui persistent à confiner l'Afrique
à la marge des cercles décisionnels. Le continent africain subit depuis février 2022 le contre-coup du conflit russo-ukrainien. Pourtant, en respect du principe de non-ingérence, 22 pays africains se sont abstenus lors du vote pour l'application de sanctions contre la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine. L'Union africaine, plaidant pour le dialogue dans la résolution de la crise, a proposé la mise en place d'une médiation à laquelle elle souhaite apporter sa contribution. Le président de la République démocratique du Congo s'est également exprimé à la tribune des Nations Unies ce mercredi. Dans son allocution, le président Félix Tshisekedi a notamment dénoncé le soutien massif du Rwanda aux rebelles du M23 qui sèment la terreur dans l'est du Congo-Kinshasa. Kinshasa souhaite plus de soutien de la communauté internationale dans sa lutte contre le groupe rebelle. On l'écoute. En dépit des efforts internes inlassables, de la présence militaire massive de l'ONU au Congo et de son soutien diplomatique pendant 23 ans, le mal sécuritaire continue à ronger mon pays. Afin d'éradiquer définitivement l'insécurité, restaurer une paix durable et assurer la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs accords ont été signés avec les groupes armés et même avec les pays voisins, sous la garantie de la communauté internationale. Des mécanismes nationaux et internationaux ont été créés. Toutes ces perspectives de règlement définitif du conflit n'ont duré que l'espace de quelques mois. Nous, peuple congolais, sommes décidés cette fois-ci à mettre définitivement fin à l'insécurité à l'est de notre pays, quoi qu'il en coûte. Notons que parallèlement, le général Philemon Yav a été arrêté ce lundi et immédiatement conduit à la prison centrale de Makala. Celui qu'on surnomme le tigre katangais aurait été arrêté pour trahison et intelligence avec une puissance étrangère. Les autorités de Kinshasa n'ont cependant pas précisé de quelle puissance étrangère il s'agissait. Le général Philemon Yav avait été réaffecté dans l'est du pays et en juillet dernier, il avait été nommé commandant de la 3e zone de défense des forces armées de la République démocratique du Congo qui couvre les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, du Maniema et de la Tchopo. À ce titre, il était chargé de la lutte contre les groupes armés, notamment de l'offensive coordonnée avec l'Ouganda contre la rébellion du M23 qui a repris ses attaques dans l'est du pays en novembre dernier. Frustré, le chef de la diplomatie tchadienne a démissionné ce lundi 19 septembre. Démission qui intervient en plein dialogue national inclusif. Notons que Chérif Mahamat Zen a été le principal négociateur de la junte militaire au pouvoir, dont les interminables pourparlers ayant finalement abouti le 8 août dernier à un accord de paix à Doha avec une trentaine sur une cinquantaine de mouvements rebelles. Cette démission pourrait-elle impacter le processus de transition contesté par une partie de la société civile? Élément de réponse dans ce sujet de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Eugène Chima. Au Tchad, la démission du ministre des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zené, ce lundi 19 septembre 2022, en plein dialogue national inclusif, continue d'alimenter la chronique au niveau national. Si l'intéressé évoque les motifs de manque de coordination gouvernementale, certains acteurs évoquent des frustrations profondes au sein de l'exécutif. Ils estiment que le gouvernement montre un mauvais exemple de cohabitation tant prêché en cette période de transition. Cette démission pose un problème sérieux d'incompréhension, de désaccord et de mécontentement dans mécontentement dans le gouvernement de transition. Surtout que le ministre qui vient de démissionner était de plus près et a participé de bout en bout au dialogue de Doha. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zené, est l'un des artisans des négociations avec les mouvements politico-militaires qui ont abouti à la tenue du dialogue national inclusif et souverain. Sa démission a surpris l'opinion nationale et alimente des rumeurs sur des ambitions politiques après le dialogue. On dit souvent que le Tchad vient de loin. Mais même si le Tchad vient de loin, ceux qui prétendent redresser la situation tchadienne doivent d'abord s'entendre. Chose qui manque
cruellement au Tchad. Les gens disent des choses que eux-mêmes ils n'appliquent pas. Pour rappel, l'ancien ministre des Affaires étrangères était en désaccord avec certains membres du cabinet du Conseil militaire de transition et du gouvernement de transition, qu'il accuse d'empiéter sur ses prérogatives de chef de la diplomatie. Pour l'heure, le gouvernement n'a pas réagi à cette démission. Également dans l'actualité, le ministère public tunisien relevant de l'unité nationale de lutte contre les crimes terroristes a décidé de maintenir le président du mouvement Ennahda, Rached Ghannouchi, en état de liberté. Ce dernier a été auditionné dans la nuit de mardi 20 à ce mercredi 21 septembre par l'unité nationale d'investigation dans les crimes terroristes et les crimes attentatoires à la sûreté du territoire national dans le dossier d'enrôlement des jeunes pour les foyers de tension. Rached Ghannouchi est censé comparaître ce mercredi devant le pôle antiterroriste dans cette affaire. Rappelons que dans le cadre de cette même affaire, le vice-président du mouvement Ennahda et ancien ministre de l'Intérieur Ali Larayed a été placé en garde à vue ce mardi 20 septembre pour les besoins de l'enquête. Direction le Nigeria à présent, où le covoiturage fait partie des options choisies par certains pour se déplacer. Cependant, tout le monde ne se sent pas forcément en sécurité à l'idée de partager une voiture avec des inconnus. Les femmes en particulier qui ont cette crainte et à juste titre. Face à ce constat, des entrepreneurs nigérians ont lancé Her Ride, une application de covoiturage réservée aux femmes. Découverte dans ce sujet de Zahra Mohamed Moutiou. Pour assurer ses trajets à Ouachakir, une Nigériane de 31 ans a opté pour une conductrice. Et c'est sur une application de covoiturage qu'elle a découvert cette possibilité. AirRide a été lancée il y a tout juste 2 mois et cible pour le moment les résidentes de la capitale, Abuja. Le succès est déjà au rendez-vous pour cette plateforme réservée aux femmes. Principal argument avancé, le covoiturage entre femmes pour plus de sécurité face au risque de harcèlement dans les véhicules avec chauffeur. J'ai eu des expériences effrayantes. Parfois, les conducteurs ont des conversations qui ne sont pas nécessaires sur la manière dont je suis habillée. Bien sûr, ça fait peur car ce sont des hommes et vous sentez qu'ils pourraient vous attaquer. Certains essaient aussi d'avoir des conversations amusantes dans lesquelles ils veulent devenir plus personnels et vous vous demandez pourquoi. Le Nigeria ne dispose pas de statistiques officielles sur les agressions sexuelles à partir des applications déjà existantes. Mais les médias locaux rapportent régulièrement des faits divers liés à ce type d'agression. C'est la récurrence des récits relatant ces violences contre les femmes qui est à l'origine de cette application. Nous ne voulons plus que les femmes soient obligées d'être sur leur garde lorsqu'elles utilisent des services de covoiturage. Her Ride est là pour offrir des alternatives plus sûres aux femmes. Si vous regardez les statistiques au niveau mondial, il y a très peu de femmes présentes sur les applications de covoiturage. Cela signifie que vous pouvez identifier et mettre en évidence les obstacles qui empêchent les femmes d'entrer dans l'industrie du transport. C'est pourquoi nous voulons créer des opportunités inclusives pour les femmes. Les utilisatrices se disent soulagées par l'arrivée de ce genre d'application. Les fondateurs de Her Ride prévoit de l'étendre à d'autres états du Nigeria. L'actualité sportive à présent avec le mondial de basketball féminin qui débute ce jeudi 22 septembre à Sydney en Australie. Compétition à laquelle la sélection malienne prendra part après avoir été repêchée au mois de juin pour remplacer le Nigeria, triple champion d'Afrique en titre. Le gouvernement nigérien avait alors annoncé sa décision de retirer ses sélections de toute compétition internationale. Une aubaine pour les Maliennes qui se disent prêtes à représenter leur nation. José Douglas. C'est à la suite de la décision du gouvernement nigérian de retirer ses sélections de toute compétition internationale à compter du 2 juin 2022 que la FIBA a repêché le Mali pour remplacer le Nigeria, ce championnat du monde qui débute ce 22 septembre et se termine le 1er octobre. Une crise de gouvernance au sein de la Fédération nigériane est la cause de cette décision. Quand nous avons appris que nous allions participer à la Coupe du monde féminine FIBA 2022, nous avons été très heureuses.
C'est une formidable opportunité pour tous les membres de notre équipe, surtout pour nous, les joueuses les plus anciennes, car ce pourrait bien être notre unique participation à cette compétition. Nous sommes très enthousiastes d'être ici en Australie pour représenter le Mali. Première participation du Mali à la compétition mondiale depuis 2010. Les Maliennes se trouvent dans le groupe B, très compliqué, aux côtés de l'Australie, le Canada, la France, le Japon et la Serbie. C'est une très bonne nouvelle pour le Mali, qui était en finale déjà contre le Nigeria lors de l'Afrobasket 2021. Dans le même temps, ça va être effectivement très, très, très juste pour se préparer à ce mondial. En plus, elles seront dans un groupe extrêmement relevé. En se basant sur la qualité des autres nations de son groupe, le Mali va devoir se battre avec une première confrontation contre le Japon ce jeudi 22 septembre. Nous n'avons jamais affronté le Japon, mais nous savons que les Japonaises sont à droite à longue distance. La force de notre équipe est la défense. Face à chacun de nos adversaires, nous allons nous employer en zone défensive pour limiter l'impact de toutes les joueuses de qualité que nous allons affronter. Nous devrons vraiment investir notre énergie en défense. Le programme de l'équipe malienne dans cette compétition ce jeudi 22 septembre, elle sera face au Japon, vendredi 23 l'Australie, dimanche 25 face à la France, lundi 26 septembre la Serbie. Et pour boucler ce tour de groupe, les maliennes auront comme adversaire le Canada, mardi 27 septembre. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.